et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur a parlé à travers la création, à travers le patriarche, le prophète, mais comme dit l'Épître aux Hébreux, en dernier temps, il nous a parlé en son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir cette signe que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos cœurs, parce que dans notre vie, le Seigneur parle. Souvent, on se demande comment on peut l'entendre. Et vous savez, c'est un peu comme avec l'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à la mode de voir la chose plus moderne. Parfois, le problème, ce n'est pas que l'ordinateur ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a la connexion? On peut avoir une tablette, mais si on n'a pas une connexion, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'Internet. Souvent, il y a, mais il faut avoir une connexion. C'est une vulgarisation de l'Évangile d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il nous invite à découvrir les signes qu'il nous laisse. Et un des signes, c'est notre vocation. Alors, écoutons à travers nos cœurs, à travers notre mission, mais aussi à travers notre appel. Découvrons ce signe que Dieu nous fait en nous appelant à suivre son Fils. Alors maintenant, tournons-nous vers Dieu. Reconnaissons que souvent, on est aveugle, on est sourd, et on ne reconnaît pas que Dieu nous parle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Qui appartenait aux douze tribus d'Israël, dispersées dans le monde.
Jésus a multiplié le pain, enfin a opéré une guérison. Alors c'est pourquoi nous pouvons mieux comprendre ce texte. Quand il réclame un signe, un autre signe, et Jésus soupire, il n'y aura pas d'autre signe. Ça démontre de quelle manière Jésus, il faut les regarder quand il fait des choses. Oui, quand il enseigne aussi, mais quand il fait. Parce que dans le domaine de la foi, on cherche toujours un signe supplémentaire. L'exemple, regardez notre vocation. Nous sommes toujours en réflexion pour chercher qu'est-ce que Dieu veut. Et parfois, Saint Jacques nous a bien montré qu'une petite épreuve, peut-être un examen qui va un peu plus difficile, une scission dans la communauté, un problème personnel, parfois nous l'interprétons tout de suite en disant « Ah, ça ne va pas très bien, donc ce n'est pas ma place. » Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Nous sommes en train de regarder les épreuves de Sochi. Vous voyez les athlètes. Alors parfois, on peut voir, on peut faire une comparaison avec la vie de la foi. Remarquez qu'il y a des athlètes qui réussissent et ils ont la première place. Alors, quand ils ont la première place, évidemment, ils sont les champions. C'est extraordinaire. Mais j'ai déjà vu un élément, une photo. Peut-être je vais garder cette photo que pour utiliser pour une conférence, vous rappeler et nous rappeler. Alors, il y avait trois sur le podium. Il y avait un Polonais. Il a gagné en patinage. Il était très heureux. Troisième place, c'est un Canadien. Donc, bronze. Très heureux parce qu'on ne comptait pas sur lui. Et il avait bronze. Il était très heureux. Mais à côté, il y avait un Hollandais, en route. Il lui manquait 3 millièmes de seconde pour avoir la première place. Imaginez, c'est une épreuve pour cet homme. Mais il est en route. Il ne se réjouissait plus. Je pense que pour lui, l'épreuve, c'est une déception. Et regardez que parfois dans notre vie, dans notre cheminement spirituel, on ne regarde pas ensemble. Comme on n'a pas regardé, les pharisiens n'ont pas regardé la personne de Jésus de façon générale en voyant ce qu'il dit, ce qu'il fait, qu'il vient de multiplier le pain. Et tout à coup, il dit, donne-nous un autre signe. Parfois, nous avons cette attitude envers Dieu. Et nous ne regardons pas que depuis des années, le Seigneur nous parle, qu'il confirme l'appel qu'il a envers nous, qu'il lance envers nous. Et que parfois, un seul événement nous permettons qu'on mette le doute. Un seul événement. Alors, je partage avec vous ce que moi j'ai vécu. Vous savez, ça c'est une autre chose. Souvent, le démon, avant de prendre une décision pour la vie, alors demandez les couples, demandez ceux qui vont le vœu perpétuel, demandez les diacres ou ceux qui vont devenir diacres. Juste avant, il y a une épreuve. Moi, je l'ai vécu pour faire mes vœux. Et je me souviens que je partageais ça avec ma mère. Et je dis, maman, je ne sais plus. Elle m'a regardé, elle dit, il y a rien que je sais que c'est difficile, mais n'oublie pas. Pendant toutes ces années, tu disais que Dieu t'appelle. Pendant toutes ces années, tu discernais avec ton directeur spirituel, avec des personnes qui t'entouraient, tu discernais que Dieu agit dans ta vie. Alors, il y a rien que fais attention, parce que c'est pour la première fois que tu me parles de cette manière. Oui, il est arrivé de quoi, peut-être, et tu doutes. Elle dit, fais attention, parce que ça peut être juste une épreuve pour te rendre plus fort, pour que tu puisses mettre la foi en Dieu. Et à ce moment-là, ma mère est devenue pour moi un signe. Un signe de Dieu qui m'a aidé à mieux discerner. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. C'était une épreuve, mais voilà que je me suis mis en vérité devant l'épreuve. Ça m'a permis d'être plus fort et plus
joyeux dans ma vocation. Alors aujourd'hui, Saint Jacques dit, as-tu l'épreuve? Ça ne signifie pas que Dieu ne veut pas, que Dieu ne te veut pas au grand séminaire. Tu vis l'épreuve, prie, demande la sagesse. Hein? C'est comme l'épreuve, c'est un moment de se ressaisir et dire, d'accord, pourquoi je suis rendu là, à ce moment-là, et comment ça se fait que je le vis? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ces choses avant? Et maintenant, peut-être le Seigneur va me renforcer. Mais il veut aussi que je mette toute ma confiance en lui et pas en moi. Alors regardez qu'est-ce que Jésus fait. Une fois qu'il a soupiré. Et deuxièmement, quand il dit, aucun autre signe ne sera pas donné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la barque. Mais le texte dit, il va sur une autre rive. Alors je vois dans ce geste un cheminement spirituel que nous sommes invités à vivre. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts, malgré l'épreuve, à entrer dans la barque de l'Église avec Jésus et passer sur l'autre rive? Voir notre vie dans la lumière de Jésus et peut-être pas dans la lumière de nos doutes. Et ne pas avoir peur, entrer et cheminer avec lui. Parce qu'avez-vous remarqué, aucun des pharisiens n'est pas devenu son disciple, à part de Nicodème. Ils n'étaient pas capables d'embarquer dans la logique de Jésus. Alors, suivre Jésus, l'accueillir comme un signe, ce n'est pas juste dire ce qu'il dit est vrai. Mais c'est aussi, s'il dit que c'est vrai, est-ce que nous sommes prêts de le suivre, d'entrer dans la barque et passer sur l'autre rive. Mener une autre vie. Notre rive a aussi une signification théologique. Et pour l'instant, ce que nous pouvons découvrir, passer avec Jésus sur l'autre rive, c'est commencer à vivre une vie nouvelle, à quitter ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme un signe de Dieu, qui ne sont pas capables de le suivre. Souvenez-vous, le jeune homme riche, c'est un 13e apôtre. Parce que si on lit le texte, qu'est-ce qu'on découvre? Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il reconnaissait Jésus. Il disait, bon maître. Ce maître était bon. Et Jésus dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et l'Écriture dit, à ce moment-là, il est devenu triste. Parce qu'il n'était pas capable. Alors, regardez que à cause de cette épreuve, il s'est arrêté. Il n'a jamais suivi Jésus. Et Jésus lui a dit, et suis-moi. Alors, je crois que le texte d'aujourd'hui nous permet d'encore mieux de discerner notre vocation et dire, l'épreuve est pour nous renforcer. Et il y aura des épreuves. Mais ce qui compte, c'est de s'attacher à Jésus-Christ. Et si on est ses disciples, un disciple ne reste pas sur place. Il marche à sa suite. Et il y a une autre réalité. Quand on entre dans la barque, on est avec qui dans la barque? Avec Jésus. Avec des confrères. C'est ça l'idée de Jésus. On n'est jamais seul. Et c'est dans la communauté de l'Église que nous pouvons ramener ensemble. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils rencontrent ceux qui embarquent dans la barque? La tempête. Et nous pouvons presque mettre tout de suite. Est-ce qu'il y aura une tempête? C'est bien embarquer avec Jésus, mais nous avons aussi reçu aussi de la tempête dans la barque. Quand ils sont dans la barque, il y a une tempête. Qu'est-ce que font les disciples? Crie vers Jésus.
ce que dit Saint Jacques. Tu es dans l'épreuve, demande la sagesse. Demande lumière. Seigneur, que devons-nous faire? La première chose, ramer. Ramer. La deuxième, en fait, c'est que Marie nous a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, ouvrons le cœur et n'ayons pas peur. L'épreuve est là pour nous renforcer. Mais Jésus est là pour nous sauver. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » La coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons. En ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en un seul corps.
voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
et que l'Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de ton Fils et de l'Esprit Saint, et qu'en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin de vocation au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes, les consacrés et tous les baptisés.